Bonjour tout le monde, ici As de Pique, il est 15h20, désolé pour le retard, on a eu quelques petits problèmes, d'ailleurs il nous manque toujours quelques joueurs, mais bon. Donc oui, donc nous sommes ici sur la toute nouvelle map que je vais vous présenter maintenant. Donc vous voyez ici le spawn des bleus, les bleus sont là-bas au fond, ils attendent impatiemment que l'on lance la partie, et la map, la voici. Donc vous voyez le mur de Bedrock, et la map est comme ceci. Donc cette fois, je parle pour tout le monde. Donc la nouvelle map ne comporte aucun abri. Vous avez juste les coffres qui sont en plein air. Donc votre jeu, votre but, c'est vraiment de construire un abri pour protéger ce totem et protéger vos coffres. La map est composée de deux parties. Chaque partie a plusieurs collines, plein d'arbres. Et il y a une rivière entre les deux. Donc il faudra réussir à passer d'un côté à l'autre. Vous pourrez vous cacher derrière les arbres. N'oubliez pas de sneaker. Et voilà, vous ne pouvez plus passer dans les murs. Les murs, il n'y a plus qu'une seule couche de stone, donc vous ne pouvez plus vous cacher dans les murs comme dans les anciennes parties. Autrement, il y a quelques autres nouveautés encore. Nous avons premièrement désactivé les creepers, désactivé l'explosion des creepers. Donc normalement, il n'y a plus de creepers, et s'il y en a, ils ne vous feront aucun dégât. Ensuite, donc la nouvelle map, la voici. Je vous annonce que vous aurez plusieurs nouvelles maps. Il y en a, on essayera de changer le plus souvent possible. Nous en avons déjà trois qui sont prêtes. Donc voilà. Au niveau du temps, donc après le combat de lundi, nous avons décidé de faire une limite de temps de 1h30. Et après 1h30, on va déclarer une mort subite. Donc les 5 équipes seront regroupées à un endroit et l'équipe qui survit a gagné. Et ensuite, je crois que j'ai fait le tour des règles. Je vais juste vous montrer rapidement le côté des rouges. Voilà, donc le côté des rouges n'est pas similaire, mais il y ressemble. Il ressemble à celui des bleus. Oups là, je passe dans les murs, petit bug de. Je vais trop vite. Donc ici, il y a une colline, hein, même si vous ne la voyez pas. Donc le côté des rouges est légèrement différent du côté des bleus. Mais globalement, il y a la même taille, la même hauteur, plus ou moins. Donc voilà. J'en profite encore pour rappeler notre sponsor qui est shellgratuit.com qui nous offre généreusement et gratuitement un serveur Mumble, un serveur Minecraft et en plus un coup de main génial. Il a été connecté toute la nuit pour que ce live se déroule bien. Donc voilà, merci beaucoup Aznet de shellgratuit.com, pardon. Donc Az, pour moi, tu peux lancer. Pense juste à mettre le jour au début et après c'est tout bon. Donc voilà, donc c'est parti tout le monde, vous pouvez y aller. Nous avons à partir de maintenant 25 minutes pour construire un abri et pour se protéger. Samuel, on te voit. As de pique? Oui, Clément? Oui, en fait, voilà, j'y suis arrivé, mais seulement j'aurais encore besoin, désolé, De de l'IP. l'IP. Alors, 88.198. Ouais. 217. Point 81. Alors attention, quand vous sortez de votre spawn, le lac en dessous est petit, hein. Ne vous loupez pas. Ok, donc la première chose à faire, c'est construire un abri autour du totem. Donc je vous invite à prendre de la stone et de faire une maison autour du totem. Une nouvelle règle encore que j'ai oublié de préciser, c'est que. Ah merde, vous pouvez ouvrir les coffres, tout le monde? Non. Ok, donc fail, as, on n'a pas les droits pour ouvrir les coffres. Les rouges, est-ce que vous pouvez ouvrir les coffres? Schnappi, tu peux me Non. répondre? Non? Ok, donc c'est pas grave, on est tous au même point. Donc, Az, si tu peux faire quelque chose. C'est bon maintenant. C'est conditionné. Ok, c'est tout bon, tout le monde peut ouvrir les coffres. Et moi, je ferme tous mes items. Voilà. Donc, première chose, construire une maison autour du totem. Donc j'ajoute encore, maintenant il n'est plus obligatoire qu'il y ait un chemin qui mène directement au totem, mais le totem doit être posé sur le sol, il ne peut pas voler. On n'a pas les droits pour poser sur le sol non plus. Az. Alors désolé pour le live, on a quelques petits problèmes, donc c'est avec toutes les nouveautés qu'il y a, on n'a pas pu encore tout tester. Az, t'as entendu? Voilà. Ok. On Non, peut faire toujours une pas. maison autour. Toujours pas. Faudra faire une maison autour aussi. Ce serait bien de protéger les coffres, ouais, parce que les ennemis Voilà. peuvent facilement les prendre. Ok, c'est bon, tout le monde, on peut poser les blocs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une première, enfin faire plusieurs couches autour du totem.
Ouais, Tom, t'étais un tout petit peu trop petit, trop court. Voilà. Donc on fait. Donc qui est-ce qui meurt? Clément, t'es en train de te noyer. C'est pas grave. Donc on a 25 minutes. Un peu moins. Un peu moins maintenant. Mais on a à peu près 25 minutes pour construire. Donc là, on va monter les murs de 3 de haut. Et on va faire après une deuxième et une troisième couche si c'est possible. Et ensuite, on va creuser des tranchées entre chaque couche. Donc je vais aller prendre une pelle. Duck, tu fais une couche. Là et là. Autour, comme on a fait la première. Et si quelqu'un veut l'aider. Alors, il me faut les pelles. Donc, je connais pas l'agencement des coffres. Ouais, Panda, t'as raison. Continue comme ça. Tu essayes de cloîtrer la totale. Voilà, des pelles. Alors, pour le chat, donc... attendez, je vais juste baisser un tout petit peu le son, c'est peut-être un peu trop fort pour vous. Voilà, je mets un peu de musique. Voilà. Les tranchées, on les ferme en haut. Non, pas besoin. Pour la troisième couche, essaye de la faire un tout petit peu plus loin par contre. Elle est un peu trop proche celle-là, c'est pas grave. Attention Clément, ça va, t'arrives à jouer? Moi j'arrive à jouer, mais en fait je branche le chargeur parce que sinon PC. Ok. Donc voilà. Ah, ce pic c'est assez grand comme ça? Attends, je suis enterré là, je vois pas, mais je pense oui. Fais la 3 de haut et puis essaye de faire tout le tour. J'ai fait 4. Ok, ben 4 c'est parfait. Alors par contre, pour sortir de là, on va faire passer par là. Faudra penser à reboucher hein. Par contre, voilà. Y a un problème au niveau de la source d'eau. Au niveau de la source d'eau? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Passe au tour. Et puis la troisième couche, tu la fermes contre le mur. Contre le mur qui existe déjà. Le grand mur qui délimite. As de pique? Ouais. Je peux mettre de la terre pour remonter? Oui, oui. Non, attends, j'ai fait un chemin. J'ai fait un chemin d'un côté. Où tu dois pouvoir passer. Moi, il me faut une pioche. Ah ouais, je la vois. Ok, Duck, ce que tu fais juste un passage comme ça. Et tu laisses juste un endroit où on peut passer depuis le depuis la flotte. Ok? Merde, elles sont où les pioches? Est-ce que j'ai oublié de les mettre? Ou je les ai loupées? Tout au début? Ok. Non. Ah oui, pioche, voilà. Alors, hop. Donc, au niveau des outils, vous pouvez prendre sans problème ceux en diamant. Par contre, au niveau des armures, on en discutera une fois que les 25 minutes seront passées. Il n'y a pas de dispenser, Non. Au niveau de la stratégie d'attaque, on va profiter pour la faire maintenant. Ce que je vous propose, on est 5, donc c'est qu'on se déplace par... par groupe de deux et qu'il y ait une personne qui reste pour garder le fort et pour protéger le fort si ça vous convient. On pourra faire un roulement comme ça tout le monde ira un peu partout. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok, parfait. Alors ici je pense que ce sera assez profond. On a normalement 6 seaux de lave, on va essayer de faire quelque chose autour du totem par exemple. Essayez d'inonder le tour du totem. Ouais. Ok, donc je précise encore, juste pour ceux qui ne savent pas dans l'équipe rouge, vous avez le droit de poser de la lave autour du totem. La seule règle, c'est que le totem doit être sur le sol et il doit toucher le sol. Poser la lave sur le totem? Non, pas sur le totem, mais autour du totem. On peut la coller directement au totem ou... Oui, mais faut pas poser sur le totem. Coller au totem, oui, c'est possible.
Ah merde, il y a le serveur qui a crash, Az. Vous avez tous été déco? Oui. Ouais. Ok, alors tout le monde a la même chose. Ok, ça doit être bon, normalement vous pouvez vous reconnecter, vous devriez réapparaître au spawn et puis on a perdu le stuff qu'on avait sur nous normalement. Non, c'est pas, y a pas moi. De quoi, pardon? Pour les stuff, enfin voilà, c'est... Moi en tout cas je l'ai plus. Ouais, moi non plus, hein. Ah bah voilà. Bon, c'est plus ou moins tout, pareil pour tout le monde, donc c'est pas grave. Ah, très joli ce que t'as fait, Panda, super. Par contre, faudrait penser qu'il faut qu'on puisse sortir nous aussi, hein. On fera un passage par en dessous? Ouais. Dans la montagne directement. Ok. Alors. Est-ce qu'on peut faire des portes? Oui. On a presque plus de stone. De stone? On va quand même revoir ce qu'on a perdu parce que. Un équivalent. Ouais. Az, est-ce que tu peux aller mettre. Vous avez perdu quoi spécialement vous? Pioche, des trucs comme ça. Ok, Az, est-ce que tu peux aller mettre deux pioches en diamant de chaque côté? Nous on a quasiment plus de stone non plus parce qu'elle a disparu aussi. Et donc... de la lave aussi, il nous manque. Ok, bah de la lave. Bah Az, je te laisse passer des deux côtés pour voir avec eux. Ok. On fait un toit ou pas? Oui, on peut faire un toit, comme ça ils vont pas savoir exactement où est le totem. Et ça risque même de faire spawner des monstres dans les tranchées, donc ce serait parfait, ouais. Mettez pas de torche du coup. Et nous sommes là, je précise juste, nous sommes à 35 viewers sur la chaîne, c'est vraiment super. Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le craft de la trappe? Mais pas de trappe, ça va être inutile. C'était pour faire une entrée avec de l'eau et on passe à travers. Non, je cherche pas un truc compliqué. Au niveau de l'entrée, on va la faire. Attendez, je vais aller la faire. Ce que tu peux venir faire, c'est venir vers moi. Je suis à côté de toi, voilà. Juste en face, tu me vois? Ouais, je te vois, mais j'enlève. Ouais, ok. Et tu creuses les tranchées comme j'ai commencé. Ça a déjà bien commencé. Ah oui, il y a la nuit qui tombe, alors pensez à prendre quelques torches. Mettre autour des torches, parce que sinon, on va se faire attaquer de partout. Donc, je vais torcher un peu tout ça. Panda, t'as peut-être pas besoin de faire le toit depuis là. Essaye de le faire peut-être. Tu pars depuis le totem puis tu vas le plus loin possible. Bah sinon, si on n'a pas fini, ça aura servi à rien. Avec 10 stacks de stone, 10 stacks de cobble. Ok, merci. Et du côté des rouges, j'ai mis 2 diamants de pickaxe dans le coffre à pioche. Ça roule. Ouais, il nous faut des seaux de lave. Hein. On en a bousillé 3. Ok. Ok, alors j'ai commencé de creuser une sortie, donc elle est dans le mur, en face de la gouille, si jamais, en face du spawn, ok. Donc au niveau du live, j'espère que c'est assez fluide, j'ai pas l'impression que ça merde, et ah oui j'annonce aussi, je remercie grandement Samuel qui s'est proposé comme caméraman, donc nous avons actuellement 2 caméramans. Et si tout se passe bien, l'image devrait switcher d'un à l'autre. Samuel, qui n'est pas joueur actuellement, mais qui est caméraman, justement. Donc, il a le fly mode. Il a accès aux deux côtés de l'arène. Je précise aussi... Oui. Tom, ne fais pas un toit là, ça sert à rien. Parce que si on meurt, après, on va s'écraser sur la cobble. Ah oui, n'oubliez... pensez à ne pas boucher la gouille de flotte, hein. Guillaume Deka, qu'est-ce qui ne marche pas?
Bah en fait c'est notre administrateur qui est censé switcher, donc je peux pas vous dire si ça ne fonctionne ou pas. Ok, je pense que je suis assez loin. Ok, avancez vite. Essayez de penser à mettre des torches parce qu'il y a des mobs qui risquent de spawner. Hein. Donc là, si mes calculs sont bons, voilà, nous devrions arriver juste à bonne hauteur. Je ne vois rien. Hop, hop. Je vais les enlever après ces torches parce que c'est vraiment visible. Mais c'est pas trop mal, je pense, la sortie. Ok, alors pour tout le monde, j'ai fait un passage en face du spawn qui nous amène à l'extérieur et normalement nous devrions pouvoir contourner les ennemis. Alors ici, j'essaie juste de boucher la lumière. Hop là, comme ça. On fait un toit plat ? Ouais, ouais. En fait, le but, ce sera de cacher l'emplacement du totem et qu'ils aient pas l'emplacement du totem exact, qu'ils doivent fouiller. Ok, avec une sortie dans ce sens, ils devraient normalement faut pas avoir la lumière. Faut enlever le dessus du totem. Non, on n'a pas le droit. Ah merde, du coup, vous avez fait un toit trop bas. Bah oui, justement, c'est ça le problème, faut rajouter une couche. Ouais, alors rajouter une couche. Deux couches. Ok, alors là, normalement c'est bon, on devrait pouvoir sortir. Alors je vais enlever cette torche, voilà. Ici je bouche aussi. Et comme ça, ça devrait paraître assez naturel pour que l'ennemi ne se doute pas qu'il y ait un passage là. On fait une double couche partout, comme ça. Ouais, ouais, faites une double couche partout, parce que sinon ça risque d'être suspect. Je vais également faire un passage par là, comme ça on pourra sortir des deux côtés. Ça avance bien de votre côté, tout le monde a quelque chose à faire. Ouais, ouais. Faut faire une double couche hein, au-dessus du totem. Partout faut la faire. Enfin, partout où c'est possible. Voilà, donc les rouges, vous venez d'avoir 3 sauts de lave qui vont bientôt apparaître dans votre coffre d'hiver. On mettrait pas des coulées de lave sur les murs pour... Vous pouvez en mettre dans le cube du totem, vous pouvez en mettre par terre. Moi je conseillerais pour qu'on en ait à l'infini, il faudrait qu'on fasse. On creuse un trou de 4 et à chaque fois on en reprend. Non, la lave ça marche pas ça. Ah, il reste combien de temps à peu près? Encore 10 minutes. Ok, merci. Ok, donc là j'ai fait une deuxième sortie. Je vais également la cacher de telle sorte à ce qu'elle soit pas. Merde, voilà. Voilà ce que... Comme ça. Et là normalement l'ennemi ne voit rien. Ok, donc à tous, j'ai fait un passage dans la montagne. Et au bout du passage, vous avez une direction à gauche, une direction à droite. Les deux, ce sont des sorties. Donc si ce sera normalement le seul moyen de sortir de la base. Alors, ensuite, à quoi on en est ici? Est-ce que quelqu'un peut venir avec une pioche? Parce que j'en ai pas sur moi, j'ai un peu foiré le toit, enfin, il y a juste deux cubes qui sont... Ouais, j'arrive. Ouais, mais si jamais ils sont sur le toit et qu'ils arrivent dans le bassin, ce sera plus pratique leur accès. Comment ça? J'ai pas compris. Ah, non, oui, bah... Ils montent sur le toit, ils tombent dans le bassin, il y a les côtés, ils peuvent... Ouais, effectivement. Alors, on a le droit de creuser dans le bassin, donc on peut faire... dorénavant, la sortie, faudra passer sous l'eau dans le bassin. Je vous fais une sortie maintenant. Alors, on va faire comme ça. On bouge tout sur les alentours sous le bassin du spawn. Ouais, sous le bassin du spawn. Quand vous serez au spawn... Pour sortir du bassin, il faudrait que vous passiez par sous l'eau. Je vous mets des... Normalement, je devrais pouvoir éclairer suffisamment pour que ce soit visible. Est-ce que quelqu'un fait un souterrain pour arriver
à la base ennemie? Alors il y a une... Bah, attends, je vais le dire ça à tout le monde. Alors si jamais, j'annonce à tout le monde, entre les deux terrains, il y a une immense rivière qui est très profonde, donc vous aurez beaucoup de peine à passer dessous. Juste pour info, hein. Ok, donc là, maintenant pour le moment vous pouvez sortir sur la gauche du spawn. Pour... Donc vous devez passer sous l'eau maintenant pour passer, pour sortir. Ok, vous avez un passage des deux côtés dans le dans l'eau pour sortir du bassin. Faut boucher toutes les entrées aussi. Je suis en train de le faire. Ok. Hop. Alors pour toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, je vous annonce que nous avons changé de map, donc c'est une nouvelle map. Entièrement travaillée à la main, enfin non, ouais, générée à la base sur World Painter, et ensuite travaillée à la main, nous avons travaillé toute la nuit dessus. C'est une map avec des montagnes et une rivière entre les deux entre les deux camps. Alors là normalement ça doit passer, c'est tout bon, et de l'autre côté aussi. On met des têtes sur le toit ou pas? Non non. Enfin, quoique, si, comme ça, nous, on peut se balader sans qu'il y ait de monstres qui apparaissent. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de torches entre les différentes couches pour que les monstres apparaissent. Non, ce serait mieux de ne pas mettre de torches, comme ça, ils voient pas. Faites gaffe, il y a une araignée sur le toit à côté des coffres. Derrière toi, Clément, je crois. Oula, moi, je vois plus rien. Je suis en train d'enlever les torches, si jamais, dans les tranchées. Faites gaffe, elle est tombée. Ouais, t'es pas loin du spawn, au pire, c'est pas grave. Merci Panda Jack. Mais comment on sort de la grande muraille? Alors, il y a un passage, justement... Merde, c'est pas creusé, là. Il y a un passage en face du... au même niveau que le bassin, dans la montagne. Alors, je sais pas si ça a été rebouché depuis, tant je vais aller voir. Non, alors viens vers moi, tu vois où je suis? T'es dans le bassin? Non, 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 c'est pas dans le bassin. Alors, depuis le bassin, tu sors de sous l'eau. T'as vu où, ça? Ok. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde voit plus ou moins où je suis? Oui. Ok, donc là, il y a un passage où moi je suis, il y a un passage dans la montagne qui nous permet de sortir de la muraille. Et quand t'es au bout du couloir, t'as un passage à gauche, un passage à droite, c'est les deux côtés de la muraille. Enfin, les deux côtés de la montagne. Par contre, il faudrait juste que nous, on ait un accès pour pouvoir monter sur la muraille. Donc, Clément, tu fais des échelles? Il reste 5 minutes et après, il y aura 5 minutes de pause. Ok. Tu les poses. Tu peux en faire 5 ou 6, ça va suffire. Non, fais-en, attends, 5, 6, fais-en 10. Et après, tu les mets de chaque côté du bassin pour qu'on puisse monter sur le toit. Ok? Ok, ça va. Alors, ici, qu'est-ce que je te... Ah oui, creuser. Alors, par contre, si le toit n'est pas terminé après le temps... Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit moment avant d'attaquer. Et on continue de faire le toit avant d'attaquer. Mais il faudrait quand même faire quelque chose sous terre, même s'il y a... Comment ça? Faire une attaque un peu furtive, je sais pas comment... Oui, mais il faut pas qu'on commence de creuser depuis ici, parce que la map, elle fait 256 de long, cube. Donc c'est très beau, c'est vraiment beaucoup. Et en plus, justement avec le bassin au milieu, ça va servir à rien du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer sur l'autre rive et à partir de là commencer de creuser. Donc il faut une personne qui s'occupe de ça. Donc de faire un tunnel sous la muraille, enfin sous terre de leur côté. Et une personne, enfin deux groupes. Non merde, ça joue plus. On va y réfléchir après. Est-ce qu'on a mis la lave déjà ou pas encore?
Quelqu'un a mis la lave? Non. Personne? Ok, alors je vais récupérer la lave et puis je vais mettre autour du totem. Alors la lave doit être par ici, là. Non? Merde, je l'ai loupé. Pas là. Merde, est-ce que quelqu'un sait où est la lave? Il est où le coffre d'hiver? Sur la gauche ou à droite? À côté de la stone, je crois. C'est un côté stone. Ok. Coffre d'hiver. Mais à côté de la dame. Moi, je vais. Ah voilà. Alors je prends tous les seaux de lave. Seulement, depuis qu'il y a un petit problème, le toit est trop bas. On ne sait pas passer. Où ça? Non, non, pas là. Oh, quoi que si. Non, pas là. Parce que là, du coup. Non, non, non. Oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Attends, tu fais comme ça et tu creuses juste un trou dans le toit. Pour qu'on puisse nous monter sur le toit en fait. Ok? Ok, ça va. Merde, elle est pas facile à prendre du tout, du coup l'échelle. Alors, juste que je retrouve le totem. Maintenant, ça c'est un peu con. Alors, c'est pas là. Tu ne trouves pas, ça veut dire qu'il doit vraiment bien là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas trop mettre de torches sur le toit, parce que les ennemis, pendant la nuit, ils pourraient nous voir. Ouais, donc on va pas mettre de torches sur le toit. Alors, attendez, moi je vais faire ça comme ça. Je les enlève. À l'intérieur, on met où? Voilà. Et là, je vais faire des cascades de lave. Ouais, faut vraiment faire des cascades. On va faire ça comme ça. T'avais pas dit qu'on pouvait rien mettre dans la salle de totem? Oui, oui, mais cette règle a été changée. Ah, ok. Alors, ça fait 4. Ça a foiré, c'est à cause du spawn? C'est à cause de la pause? Az. Az. De quoi? Le serveur est... J'ai été déco. Vous aussi? Ok, tout le monde a été déco. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va reperdre notre stuff? Ah, du coup, moi j'avais les 6 seaux de lave cette fois sur moi. Et oui, on a tout perdu. Ah putain, parce que moi j'en avais beaucoup. J'avais plein de bûches, des bâtons. Ouais, j'avais plein de bois. On va récupérer notre stuff. Je sais pas, je vais voir avec Az. J'avais surtout beaucoup de cobalt. Ouais, et surtout les 6 seaux de lave chez moi. Il nous faudrait des épées, des armures, un briquet. Ouais, chez nous, c'est bon, j'ai les 6 seaux de lave. Oh, elle est énorme cette base. La base que vous avez faite, elle est énorme. On était pas mal à être en full armure, diamant, avec pioche, épée et tout. Briques. Vous étiez les 6 en full armure diamant, mais parce qu'il y a que 4 armures diamant. Non, non, je déconne, je déconne. Presque tous. Il ne reste plus qu'une minute. Ok. Alors, je vais vite aller terminer cette... Attendez, laissez-moi passer, faut juste aller terminer ce truc. Et puis le stuff, parce que nous, on a presque plus rien. Moi, je vois un peu un éclair devant. On s'était équipé pour combattre, alors... On change le sol ou pas? Le sol de... Le sol de quoi? Merde, c'est pas ça. Merde. Non, non, le sol à l'intérieur, on s'en fout. Ouais. Merde, qui c'est qui a rebouché sur le toit? J'étais dedans. Et j'ai pas de torche, pioche. Tom, tu peux me donner ta pioche, s'il te plaît? Vite fait. Merci. En éclaireur, ok, pas de problème. Et c'est terminé. Bon ben, je vais. J'ai plus la permission de péter des blocs, Az. C'est
C'est la phase de construction est finie, on prend juste 5 minutes de pause. Ah ok, alors personne ne bouge, plus personne ne bouge ou bien? Dès que tu vois, c'est que c'est bon, dès que tu te vois. Salut à tous, ici As de Pique. On se retrouve après 5 petites minutes de pause et nous partons pour la phase de fight. Donc je rappelle les règles, vous avez le droit de reconstruire vos murailles qui ont été détruites. Par contre, vous n'avez pas le droit de reconstruire votre totem qui a perdu un morceau, même si vous avez récupéré un morceau d'obsidienne du camp adverse. Donc maintenant, plus de règles, la seule règle c'est du fight et c'est parti. Donc au niveau de la stratégie... Il y a des araignées dehors. Ouais, ok, il fait nuit ? Ah, il fait nuit, ouais, d'accord. Donc, moi, il faut juste que je finisse de mettre la lave correctement ici. Donc, je retire ça. Ouais. Ouais, ouais, pas de problème. Bah, prends peut-être pas une... Prends-en une onstone. Pour défendre, je prends une armure et une épée en diamant. Prends une armure en fer, une épée en diamant et puis un arc, surtout. Ok. Ok, donc là je vais pouvoir poser mon seau de lave, comme ça. Normalement ça doit couler des deux côtés, c'est parfait. Pas sur moi par contre, si c'est possible. Je vais mettre encore... Ah non, bah c'est tout bon, là c'est plein. Donc le totem est inondé de lave, si jamais. Par contre, je vais où pour défendre au-dessus? Tu vas sur le toit, ouais. Ah mais merde, il n'y a plus de lumière du tout. Ouais, bah va sur le toit. La nuit va pas tarder à remonter. Ok, donc ça c'est bon. De quoi, l'épée? Prends stone, il y en a assez. Il y a une araignée juste à la sortie. Ok, donc là on est bien protégé, c'est bien éclairé, c'est super. Et oui, je voulais vous dire, c'est franchement génial ce que vous avez fait, chapeau. Vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui nous regardent, donc nous avons actuellement 39 viewers. Bonjour tout le monde. Je vous rappelle que nous sommes sur une toute nouvelle map. Créé avec World Painter et sur laquelle nous avons travaillé toute la nuit pour la rendre vraiment intéressante. Nous sommes seulement deux à connaître la map, donc c'est Schnappy et moi, Schnappy qui est dans l'équipe adverse. Et voilà, maintenant, moi je vais m'équiper. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première attaque. Donc il y a une personne qui reste dessus, c'est Thomas, hein, je crois. Tom, ok. Clément, t'es parti en éclaireur? Ok, donc ce que je vous propose, c'est que les trois autres, on parte à l'attaque, mais avec des sans armure et avec des épées en pierre. Comme ça, on va déjà faire éclaireur également. Est-ce que... Attends, il y a combien d'arcs? Ouais, ouais, donc on va prendre des épées en stone pour le moment. Et prenez... Je les vois, ils sont en train de brûler leur forêt. Ok, d'accord. Des arcs, prenez pas d'arcs, il y en a... Non, prenez pas d'arc, il n'y en a pas assez, on en prendra plus tard. Armure, on prend pas. Et on prend par contre des épées en pierre. Ouais, épée en pierre et puis une pioche en pierre aussi. De la bouffe, vous pouvez en prendre si vous voulez. On aurait dû cuire la viande. Thomas, si tu... J'ai presque plus de vie. C'est qui, Panda? Oui. T'es où? T'es encore au spawn? Non, je suis juste là, derrière toi. Ok, bah suscite-toi alors. Donne-moi ton stuff, suscite-toi et je t'attends ici. Bah, tu peux me taper, s'il te plaît? Ouais. Voilà. Merci. Ah, t'avais pas de stuff, parfait. Donc, on t'attend, et Duck, Panda et moi, on va partir en attaque, juste avec une pioche et une épée. Et non, pas de torche. On peut prendre la bouffe aussi? Pardon? On peut prendre la bouffe aussi? On peut prendre un peu de bouffe, ouais, on va prendre... qu'est-ce qu'on a? Un stack de cookies? Ouais, on prend un stack de cookies chacun. Et... Oui, elle est plus grande que l'autre, effectivement, ouais. Elle fait 256 de long. Par contre, faudrait brûler la forêt, là. Ouais, alors... Bah attends, je vais prendre le briquet, et puis je vais m'occuper de la brûler. Attends, excuse Panda. Vas-y, passe, voilà. Alors, je vais prendre le briquet, puis je vais essayer de brûler la forêt. Alors, briquet, il est où? Là. Ok, donc j'ai le briquet. Panda et Duck, vous êtes prêts? Je prends le briquet. Pardon? Prends une pioche. Ouais, une pioche et une épée et un stack de cookies si tu veux. Elles sont où les pioches en pierre? Les pioches en pierre. Alors attendez, je vais déjà mettre le feu un peu à la forêt.
Oula, alors je ne vois vraiment rien. Ouh, je me fais attaquer. Merde. Oh putain, je me suis foutu le feu. Ah, bravo. Chapeau, chapeau. Super fail. Alors, attendez, je... je suis dans... Voilà, je suis mort dans le tunnel. Ah, c'est toi qui m'as tapé, ok. Ouais. Bah non, bah si t'es par là-bas, mets le feu. À quelques arbres. Et on met pas de torche par contre. Là autour, parce que sinon ils risquent de repérer la sortie. Je rappelle également au live, aux 38 personnes qui sont en train de nous regarder, bonjour à tous, que vous pouvez nous suivre sur la DIN map. Donc le lien passe de temps en temps. Donc vous pouvez suivre en direct l'avancement des joueurs. Duck, t'as récupéré tout mon stuff? Ouais, vous avez récupéré, mais après, je suis attaqué par un zombie, je suis mort. J'ai tout récupéré. Panda, t'as tout récupéré? Ouais. Oui. Ok, joli. Bravo. Alors, Panda, t'es où? T'es parti à gauche ou à droite? Droite. Alors, attends. Je te vois pas. Oui, je te vois, je te vois. Attention, il y a des squelettes. Ok, j'ai récupéré une pioche. Je suis en fond. Ok, le jour se lève, on va peut-être juste attendre que le jour se lève. Merde, moi aussi je suis en feu. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre le feu à la forêt. Viens le plus loin possible ici, Panda. Ok. Alors, je récupère tout ton stuff. Et je vous attends au bout du tunnel, du couloir. Non, faut que je meure aussi, il me reste... Creeper. Où ça? J'ai vu un creeper sur le côté au spawn. Normalement, ils sont pas censés spawner. Attends, Duck, t'as du stuff, Duck? Ok, alors attends, tiens. Derrière toi, voilà. Je vais manger un peu, moi, parce que... Ah ouais, mais ça donne rien, les cookies, en fait. Panda, tu prends deux stacks de cookies en venant. Ok. Autrement, j'ai ton épée et ta pioche aussi. Oh putain, y'a un squelette là-bas au fond. Alors, je vais attendre que le squelette vienne. Il doit être pas loin de mourir. Voilà, il est mort, c'est parfait. C'est qui brûle? Ah, c'est toi. J'arrête. Quelqu'un pourrait m'apporter des cookies ou un truc à manger parce que je suis à la deuxième montagne. Ouais, Panda, t'es déjà parti? Non, pas encore. Ok, alors prends un troisième stack de cookies alors. Donc là, je vais brûler tout ça, moi. Parce qu'effectivement, c'est dangereux, les ennemis peuvent facilement se cacher dessous. Merde, pas là, voilà, comme ça. Si t'as des os, ouais. Merde, je me suis refoutu le feu. Ils sont où? Ils viennent par où? Quel côté? Il y a un creeper sur respawn. Ah, Az, on m'annonce qu'il y a des creepers, c'est normal. De quel côté? Les roues ont fait un... Mais ils font encore des dégâts ou pas? Y'a un rouge là-bas! Y'a un rouge en bas! Avec une armure. Le spawn, oui. Ah, oui, ok. Dans le reste, ils pourront pas exploser. Ok, mais ils apparaissent quand même. Ils ont fait une plateforme en haut de la montagne en face. Ouais, je vois effectivement. Ouais. Ils ont fait une immense plateforme pour nous voir. Ils ont fait une coulée de lave aussi, je sais pas si c'était déjà comme ça. Non, il n'y a pas de coulée de lave de base normalement. Le rouge, il est arrivé par où? Il y a un rouge, un bateau qui arrive. Ah oui, je le vois, je le vois. Je vais essayer de prendre. Quel côté? Ah, ils essayent de nous sniper à l'arc, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont trop loin. Occupez-les d'un côté, je vais passer de l'autre. C'est qui a besoin de cookies? C'est moi, mais je suis mort. Ouais, je vois Naz là. Merde, je suis mort aussi. Oh, j'avais plus de vie, moi, j'ai pas vu. Sur la droite. Côté droit. Je vois pas où il est. Ah, alors, si, c'est bon. Guillaume Deka, tu pourras jouer bientôt, c'est juste aujourd'hui, désolé. Là, tu t'es annoncé un peu trop tard, donc du coup, on n'a pas pu. Les équipes étaient déjà formées, mais ne t'en fais pas, pour le suivant, tu pourras jouer. Alors, hop.
Et il donne super bien cette base, elle est géniale. Ok, alors je vais prendre un arc et puis je vais essayer de les sniper à distance. Oui, oui, pas de problème. Maintenant qu'ils sont là, prenez les épées en fer. Les épées en diamant, on prendra plus tard. On peut prendre une épée, s'il vous plaît. J'ai que des... Je te prends une épée... Ah non, j'ai que des épées en pierre, là. Je prends une épée en pierre, moi. Il y en a un qui rentre. Il en reste que 3 d'épées. Ok, bah essayez de pas trop les gâcher. Moi, j'en ai une. Surtout les pioches en diamant, c'est le plus important, hein, parce qu'il faudra qu'on pète les blocs d'obsidienne. Qui voulait une épée? Moi. Je suis dans la forêt. Le rouge, il est reparti, vous savez? Vous savez? Il y a un rouge qui vient de partir, il est en armure en diamant. Ouais, il y a un rouge qui est en train de monter la montagne devant. En face? Ils retournent chez eux? Ouais, ok. Ouais. Si tu fais, enfin, je sais pas si c'est accepté, mais quand tu changes la qualité de l'image, il y a un bug alors tu vois les gens de l'autre côté. Ah non, non, c'est pas autorisé ça, si vous arrivez à éviter. Ok, ça va. T'as une épée à speak? J'en ai une, mais en pierre. Attends, je te la donne. J'ai un arc. Voilà, derrière toi. Merci. Alors, je vais essayer de traverser, mais j'ai un arc et deux stacks de flèches, ce serait con de les perdre. Panda, tu me suis? Moi, je brûle. Ah, merde. Alors, je passe sous l'eau pour pas qu'il me voie, et je sais pas s'il me voit depuis tout en haut. Je crois qu'ils m'ont déjà vu. Clément, il est où? À gauche ou à droite? Tu me suis? Ok. Je suis morte, il y a trois stacks au fond de l'eau, de cookies et une épée. Bah va les rechercher, moi je suis en train d'avancer là. Cette fois-ci, moi j'en stop parce que... Ouais, ok. C'est sûr que je vais mourir. J'y vais en passant sur le côté gauche de la montagne. Ok, moi je passe à droite là. Ah, oh, ils ont fait une immense coulée de lave sur la droite. Et quelqu'un aurait peut-être pu prendre une pioche en diable. Bah là, on va surtout au repérage et puis essayer d'en buter un ou deux, récupérer du stuff. Ok, alors je vais essayer de boucher cette coulée de lave ici, qu'on puisse passer. Qui surveille le spawn? Moi. Je vais pas avoir assez de dirt. Rouge. Il est où? Il est où? Sur notre île? C'est chez nous qu'il est ou pas? Allo, allo, c'est qui avait parlé? Je le vois là. Il est chez nous? À mon avis, il nous entend pas. Thomas, tu nous entends ou pas? Squelette, tu nous entends ou pas? Si un chien, j'ai un os, ça suffira pas. Il faut beaucoup de chance avec un seul os. J'ai récupéré 3 TNT sur Shinobi. Ouais, joli. Alors moi, je suis à la hauteur de leur base. Donc si jamais sur la droite, vous pouvez passer maintenant. À travers la coulée de là, vous pouvez passer. Prenez une pelle par contre. Si vous venez à droite, prenez une pelle. J'en ai pas moi, Captain, on peut en passer une. Moi non plus, j'en ai pas, je suis parti. Parce qu'on va pouvoir faire droit un tunnel depuis où je suis. Faudrait pas que je me fasse repérer. Ah, y'a un rouge qui part de la gauche. Y'en a un aussi en métal. Y'en a un avec une armure en diamant et un diamant qui est en train de venir. Je sais pas c'est qui. Vous envoyez combien? Vous envoyez combien? Quelqu'un vous a vu. Il y en a deux. Ok. Est-ce qu'il y en a un sur la plateforme en haut? C'est moi, c'est As. Non mais c'est un peu normal. Mais il y en a un diamant qui arrive. Il y a plus personne sur la plateforme.
Fais gaffe derrière toi, je crois qu'il y en a un qui arrive. Moi ? Oui, à toi, à droite. Ok. As de pique, t'avais dit quoi ? Moi, j'arrive pas à passer, il y a tellement de lave. Normalement, j'ai mis de la dirt. Tu dois pouvoir passer maintenant. Ah ouais, j'ai vu. Putain, il y en a un derrière, tout à droite. Il casse la dirt. Ok. Alors, il y en a un là-bas, il paraît. Je le vois pas. C'est pas grave, je continue. Pas pour le moment, je crois. Tom, t'es toujours en train de guetter ? Ouais. Il y a un rouge avec une armure en gamin, je sais pas qui c'est qui est en train de poursuivre. Alors moi j'y vais sans stuff, sans armure, sans rien. Je vais voir si j'arrive à récupérer du stuff chez eux. Alors j'ai vu du monde. Merde, j'ai vu du monde. Merde, ils sont sur leur toit. Il y a un squelette dans notre spawn, je sais pas comment il est rentré. Chez moi il y a un guetteur chez eux. Panda. Je suis morte. Il était où ? Il était de l'autre côté. Merde, j'ai perdu la vie. À l'aide, il y a un squelette là. Dans le... Je dois revenir là, il me reste qu'un seul cœur. Ouais, pas de problème. Il y a un squelette dans notre spawn là, faudra aller le tuer. Je trouve pas des corps. C'est fait. Ok, ça va. Ah, il m'a eu. Alors là, j'ai l'adrénaline, vous imaginez même pas. Parce qu'ils m'ont repéré, mais ils ont fait demi-tour. Et il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un avec une armure en métal sur notre toit. C'est moi. Je n'avais pas vu si c'était en rouge ou en bleu. Merde, c'est quoi ce bug ? Alors là... Et j'ai perdu un arc, hein. Faut faire gaffe, parce que à force de mourir, après on n'aura plus grand chose. Ouais. Mais on a de la ficelle pour refaire des arcs, si jamais. Il y en a dans le coffre. Ouais, mais c'est des flèches, j'ai perdu deux... Merde, je crois qu'il m'a vu. Je suis à côté de leur base, en fait. Mais peut-être qu'il faudrait prendre des armures maintenant. Ah, il commence de faire nuit, c'est parfait. Ouais. Non, il m'a vu. Merde. Pendant la nuit, il faut y aller en sneak. Merde, est-ce qu'il m'a vu vraiment ou pas ? Je le vois plus maintenant. Il y a un truc aussi que j'avais vu. Ouais, il est juste là. Putain, attendez, il m'a repéré, Toto. Toto m'a repéré. Il y a un truc aussi que j'avais vu, c'était dans l'autre partie, enfin que j'avais voulu essayer, c'était, je fais un grand pilier en sable, en haut je fais une passerelle en cobble jusqu'à leur truc et je fais ce que... Putain, il y a Toto qui m'a repéré, merde. Oh putain. Je me casse. Il me suit. Ah mais il a une armée en diams. Je peux essayer d'aller faire péter de la TNT, je suis au-dessus de leur truc. Oui. Je fais une grande passerelle. Ouais, ok. Alors je vois Toto juste là, je sais pas si vous le voyez. Quoi qu'il en soit. Il me passe dessus, Toto, il m'a pas vu. Si, il m'a vu. Oh putain, merde. Il faut la faire, il y a du sable. Je vois plus rien, il fait trop nuit. Merde, il me voit, merde, je vais crever. Je me casse, j'arrive à revenir. Et moi je presse R pour reload mon arc, c'est une habitude de FPS. Est-ce qu'il me suit ? Non, il me suit pas. Ok, alors il y a toujours la passerelle en dirt sur la droite. Pour passer à travers la lave, si jamais. Maintenant qu'ils t'ont vu sur la droite, moi je passe à gauche, on sait jamais. Ouais, vas-y, moi j'essaie d'occuper Toto, je sais pas s'il est parti ou pas, je le vois plus. Alors, je vais récupérer quelques flèches si j'y arrive. Ok, Toto a dû partir. Je vais revenir à la base, me healer, parce que là, j'ai encore un stack et demi de flèches. Et je vois rien, il fait très noir. Il y a un rouge, tout à droite. Chez nous, sur notre île ?
C'est sûr. Je le vois. Ah mais j'ai des cookies en fait. Il a une épée en fer. Duck, toi t'es avec nous hein. J'ai posé 19 de TNT. Ok Duck là-bas, attends Duck, attends-moi, t'as quoi comme stuff? J'ai une épée, un stone, un arc et des flashs. Ok bah attends, moi j'ai qu'un arc mais je viens avec toi. Non j'ai des flèches, c'est bon, j'ai des flèches, j'ai un stack ennemi. Comment je fais pour faire une torche? Torche, il y a du bois et du charbon normalement. Alors Duck, tout à droite tu dois pouvoir passer normalement. Oui oui. Ils nous tirent dessus, je sais pas où ils sont. Derrière Duck. Je le vois pas où. Je vois pas où mais il y en a un derrière. Ah est-ce que c'est... Attends, je crois que c'est un squelette en fait. Ouais, merde, ça a planté. Oh, ah, ça a planté. J'avais justement pris un saut de lave. Alors, désolé pour le live. Tout le temps. Aucune idée. Eh mais non, mais ça va pas, moi j'avais plein de TNT sur moi et de la redstone aussi et du sable. Alors, le serveur est relancé. On a récu... on a pas perdu le stuff. On a juste perdu les emplacements. Moi j'ai pas mon saut de lave. Ah merde. Et j'arrive pas à me connecter. Ça va venir, attends. Az, on a quelques pertes de stuff mais pas tout le monde. Oui, j'avais sauvegardé un petit peu avant, environ 5 minutes de la dernière sauvegarde. Ok. Alors ça veut dire que ton stuff il est toujours dans le coffre normalement, le saut de lave. Alors, Duck, on part ensemble. Prends-la avec. On essayera de faire péter. Il faut faire une torche de redstone par contre. Elle est dans le coffre où il y a tout. Voilà, dans le coffre d'hiver. Merde, pardon. Qui c'est qui a pris la redstone avec? Le saut de lave, il est pas revenu. Ah, ok. Si, y a Clément qui l'a sur lui, le saut de lave. Mais il n'y a plus de redstone dans les coffres. Il y a quelqu'un qui avait pris toute la redstone? Oui, j'ai pris la redstone. Le problème, c'est que j'arrive pas à me connecter. Essaye de... T'as quoi? T'as bad login? Essaye de fermer complètement Minecraft et tu le rouvres. Non, il n'y a plus de redstone. Il y a quelqu'un qui est tout près du spot, je suis sur le toit et on tire des flèches. Ok, alors attends, je vais monter avec toi. C'est bon pour là, tu t'en sors? Il y a un archer au bord. C'est un ennemi ou c'est un squelette? Un squelette. Ok. Donc on attend Panda, puis après on va essayer de faire une petite attaque à la TNT. Je mets où la lave? Je vais reposer la TNT. Hein. T'as reposé, ok. La lave. Mais là peut-être plutôt sur le côté, comme ça on empêche que les ennemis arrivent par le côté. C'est bon, j'ai ton stuff. Ah non, j'ai pas tout mon stuff. J'ai que mon épée. Az, tu peux venir chez nous, on a perdu un peu de stuff. Il y avait beaucoup de TNT. Il y avait 10 de TNT et toute la redstone et aussi tout ça. Ok, Duck, t'avais ramassé combien de TNT? Ok. La lave, j'ai mis sur le pied. Ouais, d'accord. Ah, mais si, il y a 36 TNT là, ça, c'est tout, c'est bon. Bah, j'avais laissé un certain nombre de TNT, donc ça se peut qu'il y ait tout dans le coffre. Aussi. Ouais, il y en a 36 là, donc j'en prends 4. Oh, il y a un zombie qui... T'en prends 4, Duck aussi? T'as besoin de rien alors? Si, il y a la... Il manque la redstone, il nous manque tous les stacks de redstone. Il y en a combien normalement? 6 stacks, je crois. Il faut aussi faire des torches de redstone. Ouais, est-ce que quelqu'un a du bois? Est-ce que quelqu'un peut aller chercher du bois? J'y vais. Profiter de la nuit pour aller... Ok, j'ai récupéré toute la redstone. Il faut aussi tout ça pour que quelqu'un casse le pilier pour pas que ça se voit. Ouais, merci.
Faudrait pas aller profiter de la nuit et Ouais, ce serait bien. Par contre, tac tac. Du bois, est-ce que quelqu'un allait chercher du Je me bois? fais tirer des flèches dessus. C'est un squelette ou c'est un ennemi? C'est bon, j'ai fait des sticks. Ah, ok. Bah donnez-moi, je suis à côté de toi. Parfait. Alors, je fais 16 torches de redstone. Je vais prendre de la TNT. Il faudra du sable aussi. Ouais, j'ai 4 TNT sur moi. T'en prends 4 aussi. Il faudra quand même aussi. Duck, t'en prends 4 aussi. J'ai les torches de redstone, je vous les passe tout de suite. Tu veux prendre du sable avec? Bah oui, ce sera mieux pour faire un pilier. Ensuite, nos amis, enfin, ceux qui sont avec nous, ils le cassent et comme ça se voit pas loin. Bah en fait, ce que je pensais faire, c'est vraiment faire une attaque suicide. On va poser la TNT à côté de leur base, on la fait péter. On court comme des cons. Ah ouais, non, moi je pensais plutôt à une attaque en l'air, Alors, attends, Panda, je te donne 4 sticks, 4 torches de redstone. Je t'en ai Je donné peux venir 3. avec vous pour la TNT. Ok, si tu veux. Alors, attends, 4 pour Doc. Et prends alors 4 TNT aussi, Clément, c'est dans le stock, dans le Et coffre donc, d'hiver. on prend que la TNT Je et te les vois là à quatre la fenêtre. trucs et les quatre torches. Moi, je vais reposer mon arc. Ouais, je vais reposer l'arc. Ouais, prenez peut-être une épée en pierre. Et Vas-y, c'est tout. prends pas là-dessus. C'est bon, c'est bon. Alors, reposer arc et flèche, on prend juste des épées en pierre. Et là, on va vraiment faire une attaque kamikaze. Dès qu'on voit quelqu'un, on pose de la TNT ou... Non, non, quand on voit quelqu'un, on l'attaque. Ouh, merde, ça pète, c'est quoi qui pète? J'ai entendu exploser. Y a quelqu'un sur le toit? Thomas, t'es sur le toit? T'as vu où ça a pété ou pas? Tom? De micro, hein. Ah non, on Oh attaque. putain, ils sont dedans, ils sont dedans! Non, te... Ça lag. Ils sont dedans, voilà, j'en ai eu un. J'ai eu Munu. Y a Naz qui... Il fuit Naz. H2 au pire, mais ton placement t'a trouvé. Quoi, ils sont entrés dans la base? Ouais, ils sont rentrés dans la base, ouais. Merde, putain, je vais crever. J'ai crevé. Oh, j'ai trouvé une épée en fer, en diamant. Oh, ils ont laissé tomber, je crois. Il a pressé Q. Alors, plastron, j'ai trouvé un plastron. Moi, je refais la muraille. Ouais, je refais ouais, aussi, non, on fait un peu. fais la muraille, alors. Et il est encore là, il est encore là. Est-ce que quelqu'un a un arc? Parce qu'il a un arc. Non, j'en ai pas, mais en fait, je suis mort, j'arrive là. J'ai un arc. Ok, essaye de courir, il est sur la droite. Moi, j'essaye de le prendre à revers. J'ai mon épée en diamant quelque part. Voilà. Merde, on n'a pas brûlé assez d'arbres. Je sais pas où ils sont. Il est par là, quelque part. Ah bah, il est en train de nager. Il nage, il nage, il nage. Attention. Ouais, j'ai vu, t'approches pas. Alors, il y a quelqu'un qui campe en haut sur leur plateforme. Ok, alors, on a récupéré un peu de stuff, c'est bien. Je crois qu'il a plus de flèches. Non, ouais, bah, essaye d'y aller. T'as du stuff sur toi? Beaucoup de stuff? 4 de TNT. Ok, bah, je te suis. Attends, je vais aller poser l'épée en diamant quand même. Alors, en live, j'espère que ça vous plaît toujours. Vous êtes 40 à nous regarder, c'est super. Ça lague un peu, hein. Ouais, c'est pas grave. Attends, Duck, t'as la TNT sur toi, Duck? As de pique. Ouais. Je suis quasi sûr, il a appelé ses partenaires, donc je suis parti de l'autre côté. Ouais, ok. Attends, alors. Par contre... Duck, j'aurais besoin que tu prennes l'épée en diamant que j'ai. Bah tiens, attrape-la. Je fais une armure renforcée parce que ça fait toucher les coffres. Ouais, ok. Mets-la dans un coffre n'importe où. Et là, je vais essayer d'aller poser cette TNT. On va faire ça comme ça. Là, voilà. Non, le bois, je vais peut-être en avoir besoin. Alors, ils ont mis feu à un arbre. Clément, t'es passé de l'autre côté ou pas? Ok, t'es à droite, donc je vais essayer de passer à gauche. Oh, il commence de pleuvoir, merde.
Alors, attendez, je vois un rouge là qui est planqué. Merde, on me tire dessus. J'y vais en sneak, moi. Ouais, t'as raison. J'ai eu plein de stuff de ce que t'as fait, je crois. T'as quoi? J'ai plein de stuff, j'ai une épée en diamant, une armure en métal, des flèches. T'as trouvé ça où? C'était celui que t'as tué, je crois. Ok, bah dépose, dépose quelque part. Ah bah voilà. Bah aussi, Panda, tu peux aller garder la base au-dessus? Ouais, bon, d'accord. Bah, tu fais la tente à suicide ou je mets la TNT? J'ai récupéré aussi la TNT. Ouais, moi aussi j'ai récupéré une TNT. Et puis tout sur, dans le truc des briquets. Ouais, ok. La TNT, une torche. Tu prends combien de TNT? Prends-en 4. Et une seule torche? Non, 6 torches. 4 torches. Je reprends des flèches. Moi, je suis tout pour poser la TNT là, donc. Ouh là, ça tonne. Je vois leur. Ok, alors si jamais t'essayes de courir... Me faire sous terre. Merde, c'est un nouveau plan... Ah non, c'est mon Minecraft à planter. Attendez, live, je reviens. J'ai eu un out of memory. Il y a quelqu'un pour tuer parce qu'il y a quelqu'un sur le toit là, qui surveille. Et je peux pas y aller parce que sinon je vais faire tuer. Ouais, mais je vais y aller. Alors, le live... Là, ça doit être bon. À l'aide, il y a quelqu'un qui vient. Il veut me tuer. Ah merde, je suis apparu sur le spawn. Ah, fais chier. Elle est où l'échelle pour monter sur le toit? Merde, Chima. T'as pu poser un peu de TNT ou rien du tout? Non, c'est ce que je t'ai dit. Enfin, ah, tant pis. Je trouve pas l'échelle pour monter sur le toit. Elle est sur la gauche. Tu sors du bassin à gauche. Il faudrait que quelqu'un vienne avec de la TNT. Parce que Ouh là, il y a quelques lags là. Qui c'est qui est en train de se... Ah, joli duck, t'es où? Il y a la cobble qui est en train de cramer sur le toit à cause des orages. C'est pas grave si c'est la cobble. Ouais, je vois l'araignée, je vais la buter. Elle est tombée dans l'eau, merde, elle est tombée dans le bassin. Voilà, elle est morte. Ok, bon, bah j'y retourne. Et j'ai très chaud. Je vais aller chercher un arc cette fois par contre. Il y a un zombie, faites gaffe, il y a un zombie près de la muraille. Cette fois-ci, il reste à la TNT. Il y en a dans les coffres, dans le coffre du briquet normalement. C'est quand que ça fait une heure et demie? Je sais pas, Az, t'as regardé au niveau du temps une heure et demie? Oui, on est à 34 minutes. De la fin? De la fin? Non, 34 minutes du début. Ah, ok, d'accord. Que 34 minutes? Bah dis donc, ça passe pas vite. Tu t'ennuies? Ou par contre, moi je lag avec cette flotte. Bah ouais. Non, je m'ennuie pas. Alors, je vois pas de rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez eux là ou pas? Elle est à peu près où leur base? Elle est en plein centre. Sur la plateforme, il y a quelqu'un qui vient de partir. Ok, mais. Ils ont fait à peu près le même concept que notre base, il y a un toit. Ouais, un peu plus petit. Ils sont aussi sur leur base quand vous voyez. Alors attendez, moi je vais prendre une pelle. Je vais prendre une pelle et je vais essayer de passer par dessous chez eux. Il y a plus personne sur la plateforme et il y a la TNT là qui part. S'il y a plus personne, moi j'arrive avec de la TNT. Ouais, j'en ai moi aussi. T'en as combien? J'en ai juste une pour faire un trou. Quoi. Moi j'en ai 300. Les pelles sont là-bas, je crois. J'ai des petits bugs. Et des petits bugs de mine. Ça fait des bruits bizarres. Épée, nourriture. Merde, elles sont où les pelles? Ah, elles sont là. Ok, alors pelle en diamant et je suis reparti. Qui est mort? Faites gaffe, il y a une invasion de zombies et il y a des squelettes aussi. Tom, tu t'es noyé, c'est normal?
Il y a une grande invasion de zombies. Ouais. Il y en a qui cassent près du... Az, la pluie ça fait laguer, est-ce que tu peux peut-être la retirer? Moi je lague beaucoup là. Ouais, moi aussi. Quand même. Y en a voilà, et a le soleil est beau. Là, il y a un zombie derrière moi et j'ai pas de bébé. Bah le zombie il doit cramer maintenant. Ça fait mourir tous les mobs. Ouais, c'est pas grave. C'est qui est en bleu chez eux? Y a un gars en rouge, il arrive en sneak, il est sur la première montagne, complètement à gauche. Ah ouais, je le vois, il est en épée en diamant, en armure en diamant. Complètement à... Il se barre, il essaye de venir me tuer. T'as un arc, quelque chose? Non, j'ai... Ok, alors attends, moi j'arrive, j'ai un arc, je suis derrière, juste derrière toi. Ok, ça va. Je vais essayer de me le faire. C'est qui veut? Ah ouais, non, c'est bon, j'ai rien dit. Il a un arc aussi. J'arrive derrière lui pour le tuer. Ouais, vas-y, fais le tour. On va pas y arriver là. Je vais essayer de t'en la TNT. J'ai pas d'arc, moi. Il faudrait du renfort aussi. Ouais, vite, du renfort sur la gauche. Moi, je suis derrière lui. Je suis à leur camp. J'arrive. Merde, il pose la TNT, fais gaffe, ça va péter. Moi je suis au camp. Ok, je retourne. Ils sont deux. Attention Clément, attention. Ils sont où? Enfin, ils sont au camp. Merde, il m'a eu. As de pique, essaye de... Si jamais il y a quelqu'un qui arrive au camp, vous me le dites. Hein. Il y en a un qui est là, il y en a un. Je sais pas où il est, il sneak. Il est là, il... Bah c'est lui qui l'a ramassé. Ah merde. Il aura peut-être fallu faire bouger les arbres encore. Merde, il est parti où? Je le vois plus. Faites bien gaffe, hein. Il est parti quel côté? Il est parti Je sais pas, je le vois pas. Il est à droite. Attendez-moi, Non, il est passé sur la gauche maintenant, je pense. Je suis tout en haut là. Mais faites gaffe, il a plein de TNT sur lui, je crois. Ouais, mais de toute façon, je le tire dessus sinon. Et il est à droite ou à gauche? Je pense qu'il est à droite, mais je suis pas sûr, je le vois pas, il s'est planqué. Leur corps il est du côté droit à peu près. Là je me mets de pique. Ouais, je pense bien, ouais. Y'a la nuit qui tombe, faites gaffe. Ok, bon, je vais essayer d'avancer chez eux et de creuser dans la paroi. Merde, j'ai pas de torche, quel con. Je viens chercher des torches. Est-ce que quelqu'un, depuis le toit, peut me lancer des torches? Bonda? Ouais, ma maman, c'est que je surveille, si jamais il y en a... Non, mais c'est bon, je suis autour, je suis juste à côté de toi. Ok, j'ai un coup. On m'a vu. Je suis quoi, tu dis? Ah, le live? Planté, oui. Attends, je relance alors. On a plus de pioche en diamant. Elles sont de votre côté. Az, j'ai relancé là. Tu m'as ou pas? Je vais prendre une. Désolé. Ok, excusez-nous, le live, on a eu un petit problème. Nous sommes de retour. Alors. Y'a du sable ou pas? Parce que si jamais il y a un ennemi près du truc, j'ai essayé de l'étouffer. T'as pris des torches, Panda? Oui. Ok, je suis juste devant toi, donne-moi. Moi, parce que l'arrière. Ok, merci. Je vais essayer de creuser un trou. Comme ça. Tout le sable a été utile? Ouais, je crois bien, ouais. Bah, ça prenait pas toute l'arche normalement. Et toute la TNT normalement. Moi, je vais continuer. Mais il est fini mon tunnel. Ouais, mais en fait, je vais merde, ça a nouveau planté. Ça a craché. Ah, ça a craché. Et du coup, je pense que tout le stuff qu'on a va nous être perdu, je suis pas sûr. Mais non, j'avais une épée en diamant. Et j'avais plein de flèches aussi. Et une armure. Ok, le serveur est lancé. Moi j'ai encore mon stuff. Pas tout. Ouais, c'est la même sauvegarde qu'avant, je crois.
moi j'ai pas tout mon stuff comme. Ça doit être dans les coffres normalement. J'ai que mon épée. Az, est-ce que le stuff qui était dans les coffres, il y a plus maintenant? Le stuff est toujours dans les coffres. Ouais, mais le stuff qu'on avait sur nous avant que tu sauvegardes, enfin au moment du crash, qu'on avait pris dans les coffres, ce stuff-là n'y est plus. Il y a 4 rayons sur le. Ce stuff, oui, il est perdu. Ah merde, ça a replanté. Il y a plein d'araignées sur le doigt. Mais moi j'ai perdu plein de flèches, une épée en diamant et une armure, donc voilà quoi. Ok, on va désactiver la dite map. Ok, c'est ça qui fait planter? Je pense. Ok, on ferme la dite map donc pour tout le monde. C'est pour les spectateurs en fait. Les spectateurs ils peuvent regarder la map en direct et apparemment c'est ça qui fait planter. Je suis sûr en plus ils spoilent toutes nos positions. Alors à voir en tout cas, moi ce que je vois dans le chat, pas du tout. Bah non, étant donné qu'il y a plus. Il y a plus que moi qui filme, ils ont pas votre point de vue. J'ai bugué, j'arrive. Ok, le serveur est nouveau. Avec la din map. Ah ouais, effectivement, mais non, j'ai jamais rien vu en tout cas. J'ai le nouveau comme mon épée. Ah ouais, y a des gens qui sont en train de jouer ici, ils pourraient aussi avoir la map. Aussi, ouais. Non, mais bon, de toute façon, c'est fair play. Dans la main. Ok, donc moi je vais prendre une pelle en diamant, deux pioches en stone et je vais aller creuser un tunnel sous leur base. Et attention, il y a des araignées sur le toit. Moi il me faudrait une épée en diamant. Une épée en diamant et une armure en métal. J'ai été absent longtemps ou pas? Non, je crois pas. Merde, il y a une araignée dans l'eau. Ok, une de moins. Merde, tu viens de mourir. Oh putain, ça a nouveau planté Az. Bon, alors pour le live, on est vraiment désolé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Apparemment, il y a un peu une surcharge. T'as une idée de l'origine? Je suis en train de regarder ça. Okay. Je pense que c'est. Je vais baisser un petit peu la mémoire à louer. J'étais à 3 Go, je passe à 2. Parce qu'apparemment, il n'y a plus de RAM disponible. Voilà, c'est renvoyé. Ok. Apparemment, c'est renvoyé. Donc, toujours 38 viewers sur live stream. Bonjour à vous. J'espère que ce show vous plaît. Ah oui, la mob, excusez-moi, c'est chez moi. Enfin, c'est dehors, là, j'ai la fenêtre ouverte. Ouais, j'ai cru que j'allais prendre le truc en cobble. Ouais, mais moi, il faudra mon armure et une épée en dames. J'ai tout perdu. Bah, va chercher dans les coffres, y'a pas de problème. Pelle, ici. Pelle en diamant. Ok. Alors, moi, comme je disais, je vais creuser un passage sous leur base. Ok. Prends des torches, merde, j'ai de nouveau oublié de prendre des torches. Et une fois que t'as commencé de creuser, tu rebouches ton chemin juste derrière toi. Pour pas que depuis l'extérieur on voit qu'il y a quelqu'un qui est passé. On a perdu plein de flèches, hein, parce que j'en avais pris plein, mais le problème c'est que j'ai tout. Ok, Az, est-ce que tu peux venir chez nous s'il te plaît? Az de pique. Combien on en a perdu à peu près, Panda? J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai placé. En fait, il nous manque du stuff, une chier de. De flèches, parce qu'il y a Panda qui avait quasiment toutes les flèches sur elle. Ok, combien de stacks? Panda, combien de stacks? 10 à peu près. 10 stacks? Ouais, aux alentours de 10, pas plus de 10, ça c'est sûr. Ok, bon, on va dire 7. À peu près 7 stacks. Tu me le mets sur moi? C'est fait. Ok, merci. J'ai récupéré toutes les flèches. Je vais mettre ça dans le coffre des flèches en fait. C'est toujours moi qui dois m'occuper du toit ou pas? Parce que ça bouge pas trop. Non, tourne autour, t'es pas forcément obligé de rester sur le toit.
Alors attends, je suis Fais gaffe de Xilou, je crois que derrière toi il y a un zombie qui te suit. Si t'es sorti de la base, c'est toi. Ah bah non, c'est pas toi. Bah, y a elles sont où les torches de la base, il y a un zombie qui torche. Me suit. Ah, Az, il nous. Ouais, Az, il nous manque encore 2-3 stacks de torches aussi. Enfin, non, pas 2-3, 2 stacks de torches. Az de pique, moi en fait, j'ai oublié de prendre une pioche. Ok, je t'en prends une. Non mais en fait il faut la reboucher pour le moment, tu creuses le plus possible. Tu creuses le plus possible et après quand on fera une attaque on passera par là, mais il faut vraiment pas que eux ils voient qu'il y a ce passage là. Combien? Ok. Vers la droite, un juste avec un plastron, non vers le centre, un avec un plastron en fer, l'autre avec toute une armure en fer et une épingle de main. Ok. Ah je les vois. As de pique t'arrives à... Je te prendrai une pioche, ouais j'y arrive, je suis parti. Pas encore, non, je suis encore à la base. Ouais, ils arrivent de quel côté, les ennemis? Ils sont au centre, il y en a un troisième qui descend avec une armure en diamant. Ok. Merde, Clément, il était où? Il y a un gars au tout début de la deuxième montagne. Ah, mais Duck, t'es avec toi, t'es avec nous, moi, tu me fais peur. Ils vont de quel côté maintenant? Ils se dirigent vers le côté droit. Ils m'ont vu, ils sont trois. Bah c'est bon, je les vois. Ouais, je les vois, aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un... On peut pas voir s'il y a quelqu'un sur la plateforme. Moi je suis tout en bas et non, je crois qu'il y a personne sur la plateforme. Par contre, ils ont mis la netherite, je vois pas à quoi ça sert. Je vois celui avec l'armure en diamant. Ok, moi j'en vois un aussi là, je vais essayer de me le faire. Je vois pas les autres, j'en vois qu'un. Il a un squelette devant lui, faites gaffe. J'en vois qu'un. Merde ! Az, ça a planté. Comment ça se fait que ça plante autant de fois ? Aucune idée. Je voulais me faire une sauvegarde avant, donc vous aurez à peu près tout le stuff. Ok, super. T'as une idée d'où ça peut venir? Toujours pas. C'est reparti. Hein. Ok, c'est reparti. Alors moi j'ai tout mon stuff. Je sais pas qui est derrière, mais je peux avoir mon épée en diamant. J'ai jeté et bah voilà. Clément, c'est où? Ouais, c'est toi qui as mon épée. Et regardez cette superbe image de la Terre du Cube. Ok, Clément, on y retourne. Avant que ça restart, il y en avait... J'ai failli me cracher contre la cobra. Donc je pense qu'ils vont relancer exactement la même attaque, donc faites attention. Hein. Ouais, mais faites gaffe, ça se peut qu'ils passent par la gauche cette fois-ci. Alors Drusk... Surtout que c'est le jour. Drusk, pour information, la carte a été faite à la base par Schnappy, et ensuite Az et moi avons passé toute la nuit dessus, jusqu'à 3h30 du matin, je crois. Il y a un mec sur la plateforme et un autre sur le côté gauche de la montagne avec une armure en diamant. Ouais, je le vois, ils sont deux sur la côté gauche. Bah, il est peut-être tenté la tête. Mais je suis sur la gauche. Il y en a un autre qui descend du côté droit. Et faites gaffe, hein. Et quelqu'un peut prendre celui du côté droit, moi je prends celui du côté gauche. Ok, je suis planqué à droite, mais je le vois pas par contre, celui qui descend droite. Moi j'ai pris de la TNT. Je vais voir. Une torche de redstone et Ok, il y en a un au milieu qui descend avec une armure en diams. Ouais. Je crois que c'est le meilleur avant. Et à gauche, il y en a un qui creuse un trou dans un mur, qui ne sert à rien. On a perdu tout notre TNT. Moi, j'en ai 5 sur moi.
Il y en a plus, il faut en refaire. Normalement, il y en a plus. Ok, et hey, ils sont deux à essayer de passer dans le mur sur la gauche. La montagne. Ils sont deux sur le côté droit. Deux à droite, deux à gauche alors. Ouais, effectivement. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Il y en a un sur la plateforme. Ouais, pourquoi, Panda ? C'est parce que je suis toute seule en haut. Donc, si jamais vous êtes encore. Ok, il y a Schnappy qui est juste devant moi. Il est en. Putain, il a un arc, il est en iron, hein, si jamais. Est-ce que quelqu'un. Côté droit ou côté gauche ? Gauche mieux. À droite, il y en a deux qui viennent. Ok, alors Schnappy s'approche. Et là, c'est pour nous prendre la chance. Il y a celui en diamant qui fait le malin en haut. Quelqu'un peut venir avec moi ? Moi, je vais faire une sacrée. Ah bah, pendant ce temps, on est en train de. Pour le trou dans le mur, il est en train de monter pour faire se passer par le haut. Ok, j'ai Schnappy, je suis juste derrière Schnappy, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Putain, je vais me le faire. Merde, il m'a vu. Oh putain, merde. Oh putain, il m'a vu chier. Il y a un bouche qui est en train de faire un trou dans un mur là. Gauche, droite. Gauche. Alors, ils sont. Ouais, ils sont trois à droite. Je les vois trois à droite. Un en iron. Merde, ils m'ont vu, je suis crevé. Je les vois. 3 à droite. Il y a quelqu'un qui peut venir sur le toit avec moi à gauche, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui se cache là. Il est dans. Comme j'ai fait peur à Schnappy, énorme. T'as eu peur, Schnappy, hein. On peut venir le tuer. Il y en a à droite, Ils sont 3 à droite. Il y en a un. Tom, tu es avec eux ou t'es avec eux ou pas? Non, Tom, il est avec nous. Oui, je sais, mais justement. À gauche. Dans le mur à gauche. Ouais, merde, non. Et je vois pas. Merde. Joli, Schnappy. Bon, j'ai préféré ces mauvais boutons, ça m'a déco. Je le vois, il a une armure en diamant. Ouais, il a une armure en diamant. Je remonte parce que si jamais ils attaquent de l'autre côté, j'ai essayé de l'avoir avec un arc. Alors pour Shiver, je pense qu'il y a un éclaireur sur leur plateforme, je pense, donc c'est comme ça qu'il nous a repéré. Tu peux m'aider ? Il y a ce... Juste devant la bras, il y en a plein, il y a Schnappy, j'ai tué. Ils vont faire péter la mienne du côté. Vite, tout le monde. Ils sont combien ? Je viens essayer de remonter sur un mur, hein. Je vais aller le tuer. Ils sont combien ? Il a des flèches, il a des flèches. Merde, y'a Schnappy qui est là. J'arrive, vous êtes où ? J'ai pas de stuff, je suis tout nu, bon, j'y vais. Venez m'aider. Il va me tuer. Merde, j'ai de nouveau pressé mauvais bouton. Ah, putain ! Il va me tuer. Eh, Schnappy, il a presque plus de vie, allez-y. Merde, j'arrive pas à me reloguer. Il est pas mort. Ça lag. Oui, mais moi j'en ai eu un. Ça lag. Y'a Toto qui s'est connecté. Toto, t'es. Ah non, mais pardon, Toto il joue. Je peux pas récupérer les affaires de. Ça lag. Je peux pas récupérer les affaires de ce que j'ai tué. Non, mais ça lag. J'arrive pas à me reconnecter si jamais. Out of memory sur le Java. Ah, fais chier. Je reboot ou Bah ouais, je pense qu'il y a que ça à faire, non. J'espère ouais. Que j'aurai le stuff et que je vous ai piqué et que la muraille sera pétée. Ouais, mais est-ce que la muraille que je l'aurais pétée, elle sera pétée encore? Normalement, oui. Parce que le monde est pas... Merde. Le monde est pas... Est pas rollback. C'est... Okay. On peut y aller ou pas? Voilà. Ouais, c'est bon, c'est reparti. Alors pour le live, toujours 35 personnes malgré tous les petits problèmes, donc merci de nous être fidèles, c'est très sympa, et on espère que ça vous plaît toujours, même si ça merde. J'ai tout mon stuff. Vous êtes connectés, moi j'arrive pas. Ouais, c'est bon, ça vient de se relancer.
Si jamais tu peux pas, tu fermes entièrement Minecraft et tu le rouvres. C'est normal le end of stream. End of stream, faut que tu fermes et rouvres Minecraft normalement. Non, c'est bon, ça marche. Ok. Il reste combien de temps ? Az, combien de temps il reste à peu près ? Une heure ? Non, une demi-heure, je veux dire. Ouais, à peu près une demi-heure. Ok. Après, la demi-heure, ça se passe quoi ? Alors, je vais expliquer à tout le monde. Je vais expliquer ça à tout le monde dans un tout petit instant, je suis juste en train de me stuffer. Il y a toujours le stuff de ce que j'ai tué. Les gens, c'est que tu te stuffes. Alors, notre muraille a explosé, hein, si jamais. Bien joué. Pour faire la muraille. Je vais voir un éclaireur. Ouais, moi je vais aller me planquer aussi quelque part. Et une fois que je serai posé en attendant les autres, je vais expliquer les règles pour la mort subite. On peut m'aider pour... On peut m'aider. Ah merde, End of stream, Az. Y'a que moi ou c'est tout le monde? Moi aussi, c'est moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Par contre, on pourra m'aider pour... On pourra m'aider pour construire la muraille, parce que là, il y a un gros trou. Oui, oui. Ouais, attendez, je reviens deux secondes, et live stream, je me mute un petit instant. C'est bon. En fait, je peux pas me muter et parler à Az en même temps. Az, est-ce qu'on lance la mort subite maintenant, vu que là, à chaque fois, on perd du stuff, à chaque fois, et tout le monde se retrouve au même endroit? Ok, allons-y. On peut lancer la mort subite, alors je vais expliquer les règles. Ok. Ok, alors à tout le monde, étant donné le nombre de problèmes qu'il y a, on va lancer la mort subite maintenant. Donc, je vais vous expliquer les règles. Il y a, il faut, d'ailleurs, Az, il faut qu'on prépare. Il y aura 3 armures en diamant, une armure en iron et une armure en cuir. 2 épées en diamant, 2 épées en iron et une épée en stone. Et ceci sera par équipe. Il faut donc s'organiser de qui prend quoi. Et... on se retrouve tous à un endroit et la première équipe où tout le monde est mort a perdu. Donc Az, il faut juste qu'on prépare un endroit avec... Tu peux le faire? Ouais, je mets en bas le stream. Bah, ouais. As de pique. Ouais. Alors pour le stream, on met le stream un tout petit instant. Nous, on vous a quand même bien défoncé et puis là, on va se retrouver. Bah non, mais le problème en fait, c'est qu'à chaque fois tout le monde perd du stuff, tout le monde se retrouve au même endroit, c'est ça, ouais, c'est ce qui est chiant. Mais ce qui serait bien, tu vois, ce serait que vous ayez une pénalité quand même, parce que vu que comme on... Une armure en diamant en moins, ça vous va? Ouais, allez. Ok, on prend donc une armure en cuir en plus, une armure en diamant en moins. On va juste tous chez les rouges. Les rouges, ah bah on a nouveau un mort. Les rouges, on va venir chez vous, vous nous tapez pas pour le moment. Reste de pique. Ok. Ouais. C'est bon, t'es offline. Oui, je sais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu poses 2 coffres. Attends. J'arrive. Ça a planté là, non? Ouais, là, ça a planté. Ben, je sais vraiment pas pourquoi ça plante comme ça. Dans la base des coffres ou. Non, non, on va à un endroit. Bah par exemple, en bas, au bord de l'eau... Tu peux te connecter? Ouais, j'arrive. Alors attends, je viens vers toi, je te montre. Oh. Non, nouveau, planté. C'est pas vrai. Je cherche un petit peu qu'est-ce que je pourrais désactiver pour... Ouais, ouais, pas de problème. Parce que t'as pas un log qui t'indique ce qui a fail? Si, mais c'est sans doute un out of memory, je pense. Ah, mais tu peux pas savoir d'où ça vient? Bah attends, je vais regarder si j'ai un trace. Ouais, j'ai out of memory à tout va, là. Ok. Pourtant, j'ai monté la RAM à 4 Go, hein. Ouais. Du serveur en lui-même. Ok, donc, ouais. Java, ça dépasse vraiment. Je vais essayer, ça vient peut-être aussi de la nouvelle version de Bucket, alors je vais essayer de mettre l'ancienne. Là maintenant, t'arrives pas à le faire stable? Non, on va même pas réussir à le faire stable pendant 5 minutes. Je vais essayer de le mettre en 1000. Ouais.
J'espère que ça va aller mieux. Plus besoin de mod hein, si jamais là. Juste bucket. Ouais, mais non, il y en a certains qui sont nécessaires. Ah, ok. Seulement du. Ok. Du truc. Ouais, mais je tourne au minimum à main là. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Espérons juste que ça va tourner. Donc. On se rejoint au bord du lac. Le mur est lancé ? Le live ? Oui, ok. Non, le live est lancé. Non, pas le live, j'entends le serveur. Oui. Alors, on se rejoint d'abord au lac, passe les coffres. Ouais. Alors, tout le monde, restez dans les bases pour le moment. On prépare ça. Alors, je te TP à moi. Hein. Bah, attends, je suis venu en volant, mais ouais. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que on mette un coffre de chaque côté. Donc, un ici et un de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fout dedans ? Alors, ici, on est quel côté ? Attends, je vais voir. On est du côté... Bleu. Ok, donc... Non, rouge, non. Rouge. Non, bleu. Si. Bleu ? Non, sûr, je suis juste au-dessus, ouais. Ah bon, ok. Ok, donc bleu, il y a deux armes... une... Descends en bas. Ouais. Je te prends votre 5 minutes. Ok. Non, ça a à nouveau fail. Oh putain. Voilà. Je te laisse remplir le coffre et puis je le copierai. Ouais. Je viens juste d'afficher par contre sur le live de retour dans quelques instants. T'étais dans le studio. Ouais, je viens de mettre le studio, ouais. Par contre, je suis mort. Il y a un truc à pause de reprise dans 5-10 minutes. Hein. Ah non, il était pas affiché. Si. Ah ok, d'accord. Par contre, on est où là ? Oh putain, nouveau, un fail. Ça a nouveau planté, ouais. Putain, mais c'est pas possible. T'as pas autre chose qui tourne ? Non, mais j'ai 3 Go de RAM là, dessus. C'est bizarre. Alors, je vais vérifier tout, mais... Oh, stop, il prend de la RAM, mais je viens de le lancer. Attends, j'ai peut-être un truc qui déconne. Ah, tout est en Ice 20, c'est pas normal ça. Je vais rebooter tout le serveur, ok ? Ok, ouais. Mumble aussi alors ? Oui. Ok. Le Mumble sera offline quelques instants, je vous laisse le reconnecter. Ça prend combien de temps, Az ? 10 secondes. Ok, 10 secondes déconnexion sur Mumble. C'est bon, t'es là, Az ? Ouais, je suis là. Alors, reconnexion, j'espère juste que ça va beaucoup mieux aller là, parce que ça commence à me saouler. Alors, on redescend en bas et on repasse les coffres. Ah bah, il est resté. Alors, normalement, t'es hop. Ouais, alors par contre, ce coffre-là... Oui, viens. Alors, ouais. Par contre, celui-ci, il y aura juste une armure en diamant de moins et une armure en... Ok, alors en faire de plus. Je te laisse mettre ta logive. Ouais, ok, alors 1, 2, 3. Putain, ça a planté juste au mauvais moment. On était en plein. Ouais, c'est super dommage. On vous aurait démonté quand même là. Ah ouais, mais attends, vous avez pété qu'une couche, il y en avait 4. Hein. Ouais, mais on faisait quand même limite du spawn kill. Hein. Ouais, un peu, ouais. Par contre, Az, tu t'effaceras pas la map. Tu la laisseras comme ça. Après le match, tu ferais pas une restore de la map comme Pourquoi ça ? Parce que moi, ça m'intéresse d'aller voir la base de l'autre en face. Et je pense que ça intéresse ça intéresse certainement aussi Schnappy. Ouais, bon. Alors attends, là c'est normal qu'elles soient déjà un petit peu utilisées tes armures. En fait, elles apparaissent comme ça sur ton mini item. Elles sont toutes. C'est toutes les mêmes. Je m'en prends une pour la vérifier. Hein. Ok, ouais. Alors ça et une map en cuir. Il faut que j'installe le mode info absolument. Ok. Parce que si les armures sont limitées, c'est vraiment, vraiment la merde. Ah ouais, ouais. À la limite, tu testes, hein, tu tombes ou je sais. Merde, Alors apparemment, j'ai qu'un cube, mais je vais vérifier. Voilà, il y a également... Donc nous, on a...
snapping, on a une armure en diamant en moins et donc une armure de en iron en plus. Ok. Tu vas remettre les bottes, je vais les utiliser. Ouais, je les remets, ouais. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dommage. Ah merde. Alors attends, je les fais pas avec tout mini item. Attends, bah je vais les mettre, je vais les mettre. Ouais, vas-y, fais-les toi. Alors, tu me dis de quoi il y a besoin. Alors, une armure, un set complet de diamants. Ah, attends. Moi, le mien de tout mini item, il devrait fonctionner. Alors, un de diamants. Un set complet de diamants, ouais. Attends, je vais les ramasser, je les mets dans le coffre. Là, c'est toi qui les as eu. Attends, c'est, ça les ramasse. Ok, quoi d'autre? Je te donnerai après. Ouais, d'accord. 3 sets complets d'iron. Il se peut que je t'ai donné un casque en trop. Mais tu ramasses une partie en fait. Ouais, j'ai vu. Je m'éloigne. Voilà. Voilà, là t'as tout normalement. Alors les bottes, il me manque une paire de bottes en iron. Non, c'est bon, j'ai tout. Tu les as. Ouais, et puis alors il me faut encore un set d'armure en cuir. En cuir ? Ouais. Ok, c'est envoyé. Ok, ensuite une épée en diamant. Alors, une épée en diamant. 3 épées en iron. 3 épées en. Où est-ce qu'elles sont ? Ah là. 3 épées en iron. Et une épée en pierre. Et une épée en pierre. Voilà. C'est tout ? De ce côté-là, c'est tout, ouais. Et en fait. Et ce coffre, tu le modifies ou pas ? Ouais, pas de problème. Et je vais aller profiter pour supprimer les coffres qu'on a. Tu pourras vider les inventaires après ? Sûr. Ok, alors je vais supprimer les coffres qui sont posés. Oups. Clément, non. Clément, non. Personne touche les coffres pour le moment, s'il vous plaît. Schnappy, vous aviez pas déplacé de coffre, vous ? Non. Ok, alors je vais venir les supprimer chez vous aussi. Non, Azepic vient plutôt modifier le coffre de leur côté, moi je vais supprimer leur coffre. Ouais, d'accord. Mais par contre, je peux pas mettre. Les objets, donc il faut que tu me les donnes. Tu peux faire slasher le nom. Ah oui, ok. Ah mais non, c'est vrai, il déconne. Alors attends. Attends, bah fais-le, moi je vais supprimer leur coffre. Non mais je suis en train de j'ai presque fini de supprimer les coffres. Ah ok, d'accord. En tout cas, apparemment ça plante plus là, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air beaucoup mieux. Et à part ça, ce que je vais faire pour le live, pour que les gens sur le live puissent voir quand même votre base, après ce combat-là, j'irai visiter votre muraille. Je tape. Ok. T'as réglé l'autre coffre ? Le coffre en face, c'est bon, ouais. Mais attends, qui c'est qui est devant le coffre là ? C'est Panda, est-ce qu'elle a pris quelque chose ? C'est moi. Ah, mais il y avait Panda. Je te montrerai. Ouais, ça, c'est l'autre coffre, hein. Notre observatoire. Attends, alors dans ce coffre là il faut un set d'armure en plus. Vous foutez pas sur la gueule hein, pour le moment, personne ne fait rien. De toute façon, on risettera tout. Ici il faut un set d'armure en diamant en plus et une épée en diamant en plus. Alors je te les donne, épée en diamant, set en diamant. L'épée est dans la mer. Ouais, je vais la chercher. Tu dis parce que je dois arrêter le serveur pour réinitialiser les positions. Les c'est tout bon. Alors je vais. Tu relances le live après ? Ouais. C'est normal hein, que c'est quitté. Hein. Oui. C'est un plantage. Cette fois non. Cette fois non. Ouais. Voilà. Bon, bah, je là c'est relancé pour de bon. C'est relancé. Ah, c'est plus que tu redescends. Je te donne le top pour le live. Ouais. Alors, ouais, je redescends. Ok, alors attendez tout le monde.
Ah merde, Az, je suis encore OP et je suis en god. J'ai retiré le god, par contre je suis encore OP. C'est la mort subite là. Ouais, mais je vais expliquer les règles tout de suite. T'as retiré le god Ouais, j'ai retiré le god, mais par contre je sais pas si je suis encore OP ou pas. Il y en a qui demandent si le god t'a fait mal au cul. Ok, c'est bon, tu peux lancer le live. Tout le monde, je vous demande de ne pas prendre. Normalement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de coffre. Hein. Je vous demande de rien prendre si vous trouvez un coffre et de vous rendre au bord de la rivière. Là où il y a le coffre ? Okay. Là où il y a le coffre, mais ne prenez pas le coffre. Générique lancé à ce depuis que je te dis dès que c'est parti. Ouais, je vois. Enfin, tu regarderas sur l'intérieur du cube, sur le live, parce qu'avec gainage, ça marche pas. Ok, ouais. Faut que tu retires le retour dans quelques instants aussi. Allez, tu peux me faire tuer! Que personne ne tape personne, hein. Ah, bah moi, j'ai presque de vie, déjà. Il y a des squelettes qui m'ont... Tué. Alors tout le monde, on se retrouve donc sur le live, c'est le début de la mort subite, donc attendez, personne ne prend rien, personne ne bouge, il y a un coffre au bord de la mer, que personne ne le prenne de stuff dedans. Je vais expliquer les règles et ensuite vous pourrez vous départager. Par contre il y aura besoin d'un heal parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pris un squelette dans la gueule. Az. Alors donc j'explique les règles, vous avez un coffre par équipe, c'est Panda, un coffre par équipe. Qui contient, je vais venir vous montrer aux spectateurs le coffre rouge. Donc le coffre rouge contient deux sets d'armure en diamant, deux sets d'armure en iron et un set d'armure en cuir. De plus, vous avez également deux épées en diamant, deux épées en iron et une épée en stone. Vous répartissez comme vous voulez, équipe rouge, vous vous démerdez, mais vous avez uniquement ceci. De l'autre côté, nous avons exactement le même stuff à une armure de diamant près. Nous avons remplacé une armure de diamant par une armure d'iron, car nous étions légèrement en déficit et en train de perdre, donc on s'est donné un petit handicap. Donc, chaque équipe se débrouille pour prendre chacun le stuff qu'il veut, et après, c'est la mort subite. Donc, chaque équipe se fout sur la gueule, aucune possibilité de revenir, et l'équipe où il n'y a plus personne encore en vie a perdu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Ok, alors, autrement, bah je sais, c'est bon. Chez nous, je propose que je prenne l'armure en diamant, mais je prends une épée en iron. Moi, je peux prendre l'épée en diamant. Oui, vas-y. Panda a bien travaillé pour Thomas. Okay, on peut se répartir les armes. Répartir. Ah ouais, on peut se répartir les armures, effectivement. Attendez, je prends le bas en diamant. Ah, je te pique. Ouais. T'as planté. Merde, depuis longtemps ? 10 secondes. Relance. C'est... Normalement, ça doit être bon. Je finis juste de fermer les bases. Moi, je me suis planqué. Voilà, t'es prêt de pique ? Moi, c'est bon, c'est lancé, c'est vrai. Ça a commencé ou pas? Ok, donc nous sommes de retour. Désolé, petit problème. Je vais lancer le go et ce sera parti. Donc, pour tous ceux qui sont prêts ou non, on en a un qui a planté chez nous, mais c'est pas grave. Je dis go, c'est parti. Donc, quand vous mourrez, As d'ailleurs, je te propose d'aller fermer les spawns. Et donc, c'est parti. C'est le fight. Hein. Donc, eux, ils sont tous en groupe. Ils sont les 5 ensemble. Faites gaffe, ils sont vraiment les 5 ensemble. Je les ai vus, ils passent par nous. Ils sont tous à droite, ouais. Ils sont tous à droite. À droite. Donc je vais aller premier au front, comme ça si je meurs, je pourrai revenir pour filmer ça. Fais gaffe avec ton armure, parce que je crois que c'est toi qui as la plus précieuse. Merde, y a Naz qui a l'armure full. Attendez, je les attire. Merde, putain, je vais crever. Merde. Putain, j'ai plus qu'un demi-cœur. Et fais gaffe parce que... Allez, je suis mort. Bravo. Bon, bah moi, je retourne filmer ça. Donc, vous voyez, là, spectateurs, les quantiers se moucheront, ils pourront pas passer à part moi, car je peux voler.
Oula. Alors juste le temps que ça charge. Et après coup, je vous ferai visiter... Attendez, je vais changer de canal, comme ça vous m'entendez pas. Voilà. Je vais essayer de trouver du monde. Ici, on a Panda qui est caché. Je ne vois pas encore le reste du monde. Alors, il y en a 3 ici avec... Ah, il y a Duck qui est mort. Ok, donc on a encore 3 rouges ici. Je ne sais pas où sont les autres. Qui est mort, qui n'est pas mort, je ne sais pas non plus. J'ai pas tout suivi. Ah bah là, il y a encore... Bah ok, donc on en a 2 chez nous qui sont morts. Et aucun rouge n'est mort encore. Tac, 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 tac. Personne ne bouge. Il n'y a rien qui se passe. On a Panda qui est toujours caché ici en haut. Il nous en manque 2 autres encore. Je ne sais pas où ils sont, je ne les vois pas. Ils sont bien sneakés, bien planqués. Alors, on va suivre un peu cette équipe-là. Avec Schnappy et Levici. Est-ce qu'il... Ah, il y a également Naz. Ils sont les 3 à courir. Alors, est-ce que c'est un lag? Non, ils sont arrêtés, ils se sont arrêtés. Schnappy ici. Si jamais moi je suis mort, hein, ne me tuez pas, je filme. Avec Levici, Menu, Schnappy. Je sais pas si Naz qui a fait une déco-reco pourra réapparaître. Bah c'est lui en fait. Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un puisse TP Nazrich à moi? Il a eu un plantage. Ouais, je le TP, je le TP. Merci. Ah non, bah, j'ai pas les droits. As, j'ai pas les droits. As qui est AFK, je crois. Ils sont... Attends, attends, j'ai un moyen, j'arrive. Étant donné, je suis plus god. Tu m'as TP Anasdrich là. C'est pas moi. TP Anasdrich. TP à menu. Ok, ouais, tu peux TP sur As de Pique aussi, si jamais je suis au même endroit où ils étaient. Parce que là, on se retrouve les deux en diamant. Oula, il y en a un combat ici. Alors, Panda qui essaye d'attaquer Otto. Joli Panda. Bravo Panda, bien joué. Ah, et puis maintenant, elle se blesse en sautant. Oula, par contre, il est juste derrière. Elle a pas vu. Elle court, ils sont 3, les 4 ici. Elle a pas vu, donc là, c'est vraiment Benny Hill pour ceux qui connaissent. C'est... Ah, voilà. Aïe, 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 aïe. Panda. Panda, ouais, joli, joli Panda. Et par contre, et voilà, c'est dommage. Panda s'en est quand même fait 2, bravo. Et il nous en reste... qui est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste quelqu'un chez nous? Ah oui, il en reste un, je le vois. Ils sont tous en train de chercher, mais il ne sneak pas. Et en plus, il est en armure. En cuir. Donc il est habillé en vache avec mon texture pack, très joli. C'est très saillant, je pense qu'il essaye de se confondre avec la faune locale. Oula, et là, alors là, c'est parti. Attention, ça va faire mal, ouais. Il a très peu de chance, attention, il essaye quand même de se battre. Et la pluie tombe, on se croirait dans la phase finale de Matrix. Et combat sous l'eau, je ne vois rien. Est-ce que je peux voir mode nuit? Je n'ai pas la night vision. Non, je lag, je n'ai pas la night vision. Je ne sais pas où ils sont passés. Ah, il est mort, 1, 2... Non, il est toujours pas mort. Est-ce qu'il est mort? Attendez, donc il y a moi, Duck, Toto, Menu et Clément. Oui, je crois que c'est terminé. Donc voilà, je crois que cette fois, c'est terminé. Donc merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas si vous souhaitez voir la base. Donc je vais attendre que tout le monde se déconnecte. Et ensuite je vais vous montrer la base quand même des rouges, car on ne l'a absolument pas vu. Je vais vous faire visiter. Bravo les bleus, alors attendez. Oui, bravo les rouges, vous avez gagné. Alors attendez, je déplace tout le monde. Team Troubadour. Voilà, bravo tout le monde. C'était super, vraiment bien joué. Oui, c'est pas grave, il a planté, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, je veux quand même dire bravo à Panda qui a réussi à exploser 2 rouges à elle toute seule. Bravo Panda. Merci.
Et donc voilà, donc c'était un super combat. Je vous invite tous à vous déconnecter. Az, si tu es là, est-ce que tu peux mettre le temps, la météo au soleil, que je fasse visiter aux spectateurs qui nous regardent encore. Il y a encore 34 personnes, c'est super. Bonjour, 34 j'adore personnes. Le bunker des coucou, rouges, les spectateurs. Des bleus. Bonjour. Oui, alors là, vous pouvez parler, les spectateurs vous entendent. Bonjour. Ok, bon. Salut. Ok, donc je vais aller faire visiter la base des... Donc, on a... Ouh, alors là, ils ont fait quand même sacrément fort. Attendez, je me déplace. Voilà, donc on a ici la base des rouges. Donc, c'est vraiment très sympa comme ils ont fait ça, avec les coulées d'eau. Ah bah, le serveur est planté, désolé. Bon, bah écoutez, prochain combat, je ne sais pas encore quand, ce week-end, je ne suis pas disponible, mais je sais pas, peut-être que Az et Schnappy en feront un. Restez sur le forum, allez, donc l'adresse c'est www.azdepic.ch/Minecraft. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez participer au prochain combat. Le serveur, j'ai mis passage en waitlist. Ah, ok, d'accord, pardon. Donc je retourne, on va quand même visiter. Mais je continue, donc si vous souhaitez participer à la prochaine, n'hésitez pas, vous allez sur le forum azdepic.ch/Minecraft, vous inscrivez, vous vous présentez, et après il vous suffit de postuler pour les combats. Voilà, donc je vais rapidement aller visiter la base des... Alors je suis bleu, donc la base des rouges. Le temps que ça charge, gentiment. Voilà, et personne ne part, donc tout le monde est intéressé, c'est cool. Alors ici, il y avait déjà cette base, cette super plateforme qu'ils ont fait. C'est... Alors l'idée est super originale, bien joué. Merde, je brûle. Az, je brûle. Faut que tu me mettes en god. Je n'ai pas la permission. Voilà. Merci. Donc cette super plateforme qui est, dont l'idée est super originale, c'était vraiment bien vu. Ils nous voyaient, vous voyez, ils avaient vraiment la vue sur toute la vallée. C'était super bien pensé. Et ensuite, bon, ils avaient absolument tout brûlé comme nous. Et autrement, donc la coulée de lave que vous avez vue pour plus qu'il y ait de passage sur le côté. Ça, c'était aussi super original, bien joué. Un trou ici, je pense qu'ils ont fait des tests de TNT. Et sinon, ils ont alors inondé, je ne sais pas à quoi ça sert d'inonder leur mur. Ils ont inondé leur mur ici. Ah, c'est pour nous ralentir, comme ça on approche super lentement, d'accord. Hop là, alors je vais essayer d'escalader, de grimper. Oh, hop là, donc je suis là. Et là, il y a des tours en dirt, je ne sais pas si elles servent à grand chose. C'était pour rejoindre leur spawn, je sais pas. Bref, ici ils ont le trou, hop là, voilà, avec des fours. Donc eux, ils ont pensé, je pense, à faire cuire des côtelettes. Nous, on n'y a pas pensé. Ici, donc il y avait les coffres, je les ai supprimés. De plus, ici, ah oui, donc une immense coulée de là. Ouh, c'est encore plus original que nous, c'est encore mieux défendu. Parce que là, il n'y a vraiment aucune possibilité à part aller boucher là-bas en haut la coulée de lave. Donc en fait, c'est assez proche de nous, mais en plus élaboré. Donc bravo les rouges. Et ensuite, est-ce qu'il y a... Donc ils ont fait des passages de garde, ça c'est bien vu aussi. Il commence à faire nuire, j'ai pas les droits, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je crois que j'ai fait le tour. Ici, donc c'était tous les coffres. C'est... En plus, elle est esthétique leur base. Donc vraiment, c'est bien joué. Donc quoi qu'il en soit, à vous 36 maintenant, 36 connectés. Je pense que nos amis qui ont joué se sont connectés sur le live. Je répète, donc notre hébergeur shellgratuit.com qui nous offre un serveur Minecraft, un serveur Mumble, une aide vraiment indispensable, parce que sans ça, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est vraiment super, merci Shell Gratuit. J'ai fait également un peu de publicité pour Mineway.fr qui recherche du monde, un serveur francophone qui recherche du monde sérieux. Et voilà, donc on se retrouve d'ici quelques temps pour un prochain combat, peut-être ce week-end, ou sinon ce sera début de semaine prochaine certainement. Si vous souhaitez participer, commenter, faire quoi que ce soit sur la Terre du Cube, n'hésitez pas, venez sur www.azdepic.ch/Minecraft, créez un compte, présentez-vous et venez postuler pour les prochains combats. Voilà, donc c'était As de Pique, merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt. A plus. As, tu peux couper.